Bonjour et bienvenue les connecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite pièce qui m'a été rendue par le buraliste. Il s'est complètement trompé, il m'a rendu ça, vous allez voir, regardez. C'est une pièce de 10 centimes. 1988, donc il s'est bien trompé hein, quand même. Une 10 centimes française, une 10 centimes Marianne exactement. Voilà. Je pense qu'il s'est trompé par rapport à la couleur. Regardez, donc sur cette face où on voit bien la Marianne, hein, avec le nom du graveur qui est là, c'est La Griffoule. Rien à voir avec nos 10 centimes euros, hein, bien sûr. Et de ce côté, on voit bien. Hein. Alors, le nom du graveur de cette face, c'est là. C'est Dieudonné. La pièce pèse 3 grammes, un diamètre de 20 mm et c'est du cupro-aluminium. Alors que vous savez très bien que les 10 centimes de maintenant sont en or nordique, qu'ils appellent. Cette pièce n'était pas rare du tout à l'époque, elle avait été frappée à 150 millions de mémoire. Et la valeur pour une pièce neuve, hein, parce que sinon il n'y a pas de cotation pour ces pièces en dehors de fleurs de coin, c'est 5 euros. Bon, c'est sûr que si elle était en fleurs de coin, j'aurais dit merci au buraliste, ça m'aurait fait 5 euros pour une pièce de 10 centimes, c'était bien. Mais vous voyez, elle est pas en qualité fleur de coin, pas du tout même. Elle doit être en sup. Mais enfin, c'est quand même. Je voulais quand même vous la montrer parce que c'est quand même étonnant qu'il y ait encore en circulation, vous le voyez, des pièces de 10 centimes françaises. C'est ça qui est énorme en fait. C'est le fait que de retrouver une pièce de 10 centimes. Bon, quand il s'est aperçu, il voulait la garder. Mais j'ai dit non, 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 j'ai dit donnez-moi là, c'est pas grave. Je vais la présenter à mes collectors. Et voilà. Une superbe pièce de 10 centimes Marianne. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.